Et yop là, bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Alors, au programme ce soir, découverte de Courier of the Crypt. Donc, Courier of the Crypt, c'est un jeu que j'ai présenté il y a bien longtemps maintenant, il y a plusieurs années. Quand il est arrivé en early access sur Steam, j'ai trouvé le jeu super sympa. Donc, en gros, on va jouer en messager en fait, qui va devoir aller dans une crypte pour délivrer un courrier. Et ça va mêler un peu aventure, un peu puzzle, etc. J'ai trouvé ça super cool. Et du coup, bah depuis, j'attendais tranquillement sachant que le mec il fait ça tout seul, hein. Donc j'attendais tranquillement qu'il continue à avancer. Et donc là, depuis le 18 avril, hein, depuis quelques semaines, le jeu est dispo pour de vrai. Donc là, c'est la version 1.0.4. Et donc c'est le cas d'y aller tester ça. Alors slot 1 empty. Yep. Oui. Go. Wait, what? Où are you? Oh, peut-être jouer à la manette en fait, je suis en train de me dire. On communique Lazare, Yehulian. Donc là, j'espère pour lui qu'il est en train de rêver parce que ça craint sinon. Splatch. No! Wait, I'm still alive. Or am I? This casket might as well be mine. At least I'm free to move now, I should get out of here, whatever this place is. If only I had a torch, I can barely see anything. Oh, look, a lantern. Ok, donc voilà. Donc là, j'ai récupéré une lanterne. Donc clairement, cette partie des mécaniques de base, hein, du jeu, d'essayer de s'éclairer un peu, parce que bah, tout est sombre, hein, comme on pourra le voir. Hein. What a lovely crystal, it's beautiful yet so strange. I feel easy standing next to it. Take it once to be picked up. Bon, je vais récupérer ça, moi. Ok. Bon. Un truc que j'ai bien aimé dans la version qu'il y avait à l'époque, c'est qu'il y avait plein de pièces secrètes en fait. En fait, chaque niveau est créé à la main. Earthquake, can't supposed to get it on my own. I should get fear fast. Allez, bah du coup, Kassos. Ah mince, je crois que j'étais sorti, mais pas du tout en fait. Alors je mets le cristal là et. Et il se passe des trucs. Oula! Ok. Donc il est en train de rêver a priori. J'aime bien le pixel art du jeu. Oh my, where is he now? Ah, je me vautrais de mon hamac. Alors. Pum, 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 pum. Yanko, you're running a bit late. Call the point delivery service for a reason. Voilà. I'm sorry, master. In my defense, I was a wrong trip. Voilà. Okay, I mean to travel long distance. I don't have time for excuses, so spare me. Bon, donc là, en gros, faut que j'amène une lettre au village. Voilà. Un village où il y a 3 jours de distance. The famous crypts and the letter to the guardian over there and he'll pay you. D'accord, donc faut descendre dans les cryptes près du village. On peut la tuer, if you fail, be swimming.
Ok, et bien allez, c'est parti. Allons amener cette lettre dans les cryptes. Voilà, donc Primoz Vovk, voilà, qui est le développeur du jeu. C'est le mec qui a fait tout fait tout seul. Hein. Ce qui est assez fou quand même. Ça fait toujours halluciner les gens qui font des jeux tout seuls quand même. Enfin bon, après, quelques personnes qui l'ont aidé, quand même. Ok, donc c'est là que je dois amener le courrier. Graham ran time with plenty of that key after all. The Guardian of the Crypts. Ok. Salut. Good evening, sir. I wasn't sleeping. What do you want, man? Plenty of notes, I see. I get a letter for the Guardian of the Crypt. I'm not the Guardian, just a humble curator. Ah, mince. The fuel's down below. Take this key to unlock the display keys on the left. Ok. Unlock the goal leading to the crypt and don't touch anything. If I find anything missing, ok. Ok, donc là on a récupéré une clé. Hop, donc là j'ai ma lanterne, enfin j'ai ma torche. D'accord. Let me hear. Secret is here. Ah, donc voilà. Donc B pour allumer la torche. Le problème, c'est que elle a une durée. Elle se consomme. Enfin, elle se consume, quoi. Real skeleton. Ok, donc là j'ai récupéré de l'huile ou je sais pas quoi pour ma lanterne. Donc là je récupère de la thune, mais je sais pas trop à quoi ça va me servir parce que je peux pas allumer les piédestals là. Ok, une torche là-haut. Donc là il me faut la clé évidemment. Voilà, donc le jeu il me dit hein, en gros à chaque fois que. Ok, donc ça sert à. Ouais. Alors,
Chapter 93. Something's not right here. I can feel it for a while now. My soul getting heavier. Another brother erecting sounds like a. As for your heart, you summon Semina, find this letter, go to the color glass with the cross on it and break it. Ah, donc là, faut que je trouve un verre teinté avec une croix dessus. Ok. Ah mais je me demande si on peut pas ramasser les cailloux par terre ou un truc comme ça. Ah non voilà, donc là j'ai eu des pierres. Ok donc là je viens d'ouvrir le truc en bas. Donc là j'ai récupéré une relique. Attends. Hey. Cool, plein de pognon. So close, there must be some. Ok. Ah oui, ok, donc ouais, en gros lundi c'était les deux. Joli, je viens de débloquer un. Hop, j'ai la clé. Cool. Il y a les araignées maintenant. Ah, mais une pièce à droite en fait là. C'est quoi cette pièce à droite? Trois pierres qu'il faut pour les fumer. En fait, c'est que là, j'ai plus qu'une seule pierre, donc. Il va pas rester. Ah, voilà, map finish. Alors, un secret sur 4, 2 reliques sur 3. Ok. Donc, voilà, donc là, j'étais au premier niveau. Into the Darkness. Hop. On avance au suivant. Pas vu l'heure, regarde spam sur le dernier CP, une map trail un peu tendue, d'accord. Bon, en même temps, j'ai lancé il y a pas longtemps, j'ai lancé il y a un peu plus de 10 minutes quoi. Du coup, je m'attelle, il y avait les. C'est en ce moment, il y a un gros majeur de Dota 2 en fait. Et là, il y avait OG qui jouait et j'aime bien OG. Alright, là, le Magic Field, c'est plus de torches.
D'accord. Donc quand je passe là-dedans, j'ai plus de torches. Très bien. Après, c'était en deux, hein, deux manches gagnantes, mais bon, ça aurait fait tard, quoi. Il me faut une clé, il n'y a pas la dire. Mince. Clé, une porte, mais torche flamme, d'accord. Et là, je fais évidemment. D'accord, donc pour avoir une torche, il faut que j'ouvre la porte qui est là. Ok. Mais franchement, c'est cool quoi. Ce week-end, il y a plein de trucs. Alors, attendez, non, je pense qu'il faut que j'arrive là-haut pour activer l'espèce de globe. Là. Ça devrait, j'imagine, faire bouger le bloc. Par contre. Secret found. Delicious, expired, instead of killing the man stuffy is. Ok, bon. Yeah, plein de pognon. Tout de suite, chameau. Ah, j'ai des trucs enflammés maintenant. Donc le jeu, hein, c'est un peu exploration, puzzle, etc. Donc on joue en fait un messager, c'est une sorte de facteur, et on doit porter un message à un mec au fond d'une crypte. Hop. Sauf que quand on y va, bien, à un moment il y a le sol qui explose et du coup on se retrouve. Se retrouve au fond. Alors une relique par ici. Spell aggression, also the spell and hurting them just slightly will make them unreal, attacking everyone. Ah, du coup, là, il me dit que finalement, si j'attaque pas les araignées, elles m'attaqueront pas forcément. Apparemment. Black spider, we have noticed that the young one, it must be noticed that they just touch spider and not afraid of light. Attacking very aggressive. Ah. Ok, donc les araignées noires, faut faire gaffe quand même. Spider eggs, many birds, spider eggs, let's. Ok. Donc là, en gros, ils font des expériences sur les araignées pour voir un peu comment elles se comportent. C'est horrible, je suis complètement perdu dans le niveau là.
C'est quoi ça? Alors, ils disent quoi là? Red spider, they can confirm a red specimen of spider fauna allergic to magic light, d'accord. Mais là, il faut une clé. Ah mince, il faut la clé pour juste. Ah, c'est ici le machin violet là. Mais du coup, il faut une clé. Zut. Il y a quoi par là? Ok, j'ai la clé. Et par contre, si je vais là, ça m'emmène où? Ah, ça me rend. Oui, bon bah tiens, on va faire le plein de lanternes, enfin de mon. Impeccable, tac. Et du coup, je peux aller ouvrir la porte en bas à droite, en bas à gauche, pardon. C'était pas par là, c'était en dessous. Je peux aller ouvrir la porte en bas à gauche et surtout aller récupérer du coup mon. L'espèce de globe violet là. Ok, il y avait une relique ici. Ouais, voilà. Et là, du coup, hop. Voilà. Et là, en gros, maintenant, ça va me permettre du coup de revenir avec ma torche à cet endroit-là et de pas passer par par la porte qui éteint la torche. Cool. Elle était où la porte? J'aime plus. J'aime plus où je devais aller. Ah, par contre, je suis un peu bête, je suis passé par là. C'était où? La porte avec la clé là? Ah bah c'était là. Alors hop, tac tac tac. Ça, je pense, c'est des sortes de points de sauvegarde en fait, les machins là, à mon avis. Belle esquive. Paladam. Ok. Map finish, bah voilà. Un secret sur 5, deux reliques sur 3. De toute façon, je pense que ça va être la catastrophe ce soir au niveau des découvertes de secrets. Je sais pas combien il y a combien de niveaux en fait, j'ai pas fait gaffe. Ah bah voilà, Fabot. Le son on entend un petit peu quand même ou pas? Ou faut que je mette plus fort? On sait que c'est déjà un chien, Dispel un. J'en chope toujours un seul total, c'est déjà un exploit.
Ouais, je vais essayer d'économiser un peu mes pierres, parce que j'en ai plus que 4. Sachant qu'il m'en faut 3 pour fumer les araignées. Tu peux up le son, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Ouais. Alors, attendez, tac. Bah, surtout qu'en plus, il y a. On va mettre comme ça. Je vais juste regarder un truc, c'est au niveau du. Niveau de la page du magasin, on va voir s'ils disent combien de niveaux. Je sais pas du tout. Ta-ta-ta. Un peu plus de 20 niveaux faits à la main, d'accord. Je pense que je vais en faire quelques-uns. Enfin, je jouerai 1 heure, peut-être 1 heure et demie, et puis après je ferai peut-être un petit peu de la step-up, parce que j'ai envie de continuer ma partie. D'ailleurs, du coup, la semaine prochaine, lundi, Knights of Tartarus, mardi, donc Grim Dawn Forgotten Gods, mercredi, Descenders, jeudi, Life is Strange 2, vendredi, donc la step-up, je continuerai. Et en fait, samedi, la semaine prochaine, je ferai du PoE, parce qu'il y a un petit event, il y a la flashback. Merde, bien vu. Mince. Ah si, quand tu te barres après le. Ok. Du coup, donc, j'étais en train de parler. Il y a un petit event flashback synthesis. Et le truc sympa, c'est que si tu passes level 35, t'as une boîte gratos. Donc je pense que j'irai faire un perso au moins level 35, histoire 2, quoi. Après, je sais pas si j'irai plus loin ou pas, j'en sais rien. C'est 35, c'est sûr qu'on a une récompense. Et après, bah ça va. Oh, tiens. Ah, c'est ouvert là-bas, ok. Et après, c'est le tirage au sort par contre. Du coup, si mes calculs sont bons, ça commence vendredi à 23 h, donc comme ça pour le. Merde, elle m'a mis un petit coup. Pour le samedi, ça sera bon. Et non. Hop, esquive, tac tac tac. T'as pas moyen de péter les. Ah mais elle m'en veut encore là. Ok. Ah, zut. Là on voit un arbre avec une clé mais. Comment faire pour la récupérer? Et un coffre à gauche.
Ah bah attends, oui, si j'ai une clé là. Ah mince, la porte est fermée. J'ai pas vu. Putain, j'arrivais par où? Ah oui, mais j'arrivais par là, moi, en fait. Attends, mais j'ai aggro l'araignée là? Sérieusement? Genre, je suis à l'autre bout du monde, mais là, je l'ai aggro. Merde, là, je suis bloqué. Et mince. Ah mais j'ai une porte que j'ai pas ouverte. Par contre c'est relou parce que là j'ai plus de petits cailloux. Mais elle meurt pas. Haha. Ouh. Non mais sérieusement? Ok. Là faut que je fasse gaffe, j'ai qu'un seul point de vie donc si je me fais toucher je vous avoue que je serais un peu plus en confiance avec deux points de vie, mais bon. It won't work. Ah, il manque un. Ok. Il manque un engrenage ici. Mince, ah, quel con. Il y en a trop des araignées là. Attends, là. Ah. Eh mince. Ah bah, nickel. Je viens juste d'arriver à un. J'ai arrivé à un waypoint. Hop, parfait. I'm chop again. Oula. A strange wooden machine, it's for anyway, pumping water. C'est sympa ça. Merde.
Ah putain, elle me fait toucher. Ah mais d'accord, ok. Mince, mais il est cassé du coup le truc là. Ah mais non, mais là ça va pas, parce que s'il est cassé, ça veut dire qu'il faut que j'arrive à repasser la zone des araignées sans me faire se passer. C'était où que je devais aller, je sais même plus. Ah si, c'était en bas. Non, c'est un truc... Ah mais j'ai vu Putain, d'ailleurs je suis vraiment triste que les emotes soient toujours pas validés là. Je pensais vraiment que ça allait prendre moins de temps que ça quoi. Ok. Tac. Tac. Après, je pense, enfin, je sais pas, il y a peut-être une validation manuelle, on sera rien, quoi. Je me suis dit, bon, le fait que ce soit le week-end ou pas, ça n'a pas changé grand-chose, mais. Alors, j'ai une relique, j'ai une clé. Ah oui, là, ouais, faut que je remonte. Et là, du coup, il faut que j'aille la partie de gauche du truc. Attends, hop. Clac. Merde. Et ben voilà, impeccable. Que je dis 2 semaines, je déconne qu'à moitié. Ouais, je pense pas que ce soit si long que ça, quand même, quoi, mais. Mais du coup, ça me fait, je suis en train de réfléchir pour la blind à la modifier. Ah, j'ai le choix entre deux trucs là. Crypt Shop. Ah, d'accord. Et du coup, après, il y a la suite. Justement, je me demandais à quoi servait la thune. Mais ok. Ah, du coup, au fur et à mesure, on va pouvoir plus de points de vie ou des trucs comme ça, quoi. What is this place? It shows where is the shop, but where is the shopkeeper? Anyone here? Alors, Amulet of Flames. Lower Flames Conjunction, ok. Max Health plus 1. Throw Father, ok. On va prendre les points de vie pour l'instant.
it through a putrid place like that anyway. I want to get out, and by out I mean up. Ouais. T'as du slime maintenant, ils font quoi les bestioles? Ok. Ah mais en fait il était pété parce que j'ai respawn dessus en fait. A priori il les respawn comme ça, t'as le droit qu'il y a une seule chance quand même en fait. Ouais je pense que c'est plus punitif que ce que je pensais en fait. Alors ils disent quoi? Shipment record, 10 grand boxes, 5 boxes of tools, c'est ça qui a été donné plus tard. Ok. Ah mince. J'ai récupéré du bois, pourquoi pas. Ouais, ça peut me permettre de passer là. Need more items. D'accord, donc il faut plus de planches pour pouvoir passer à cet endroit-là. Ah merde. Ah purée, elle a vu que je me bastonne en fait, ça attire les autres. Ah non, mais en fait, d'accord, oui, c'est juste parce que j'avais plus la lanterne en fait. Ah mince, mais c'est des. Oh, quel con, j'ai cru que c'était de l'eau qui coulait, quoi. Sérieusement, j'ai cru que c'était de l'eau, et du coup. Du coup, je tankais tranquillement, alors que, bah, pas du tout, quoi. Bon, ça dit, il y a des points de vie de l'autre côté, j'allais les récupérer vite fait. Ah bah tiens, une petite relique aussi, hein, tant qu'à faire. Aïe, touc. On va parler à quoi? Une élaquille, bah oui, mais... Eh merde. Ah bah je vais mourir là. OK. Alors là, une clé, mais pour l'instant, je peux pas l'attraper.
Alors, il y en a un, c'est pour bouger celui-là. Ah merde, plus de... Ok. Ah non, mais... Aïe, mince. Ah mince. Ah mais ça a cassé ça? Non. Pourquoi ça l'a pété? Ouais, je suis un peu triste si je comptais là-dessus pour recharger ma torche. Si on encore les trucs, les tricksters. Putain, je sais plus où c'était la clé. Ah, je suis pas bien. Ah bah du coup, je vais mourir en fait. Ah ouais, complètement. No torch, no life. Oh. Je sais plus où c'était là. Alors. This body is already no present job because you're getting no. We can't be victorious. No, the thing is done. Yeah, but you didn't look like him. Mais c'est con hein, parce que le jeu bah, il est enfin, ça m'intéresse et tout quoi mais j'ai vraiment du mal avec le jeu dans le noir hein. Non mais non. Et je refais la même. Yo Frios. Peur du noir, non, c'est pas peur du noir, c'est. Je trouve ça fatigant en fait, en jeu vidéo le noir quoi. Ah Frios, ce troisième perso, ça donne quoi? Avec les trois planches, ça va être bon, je pense. Ouais, voilà, je peux passer. Ok, tac. Et du coup, ça a changé quoi? Ah oui, ça a changé que maintenant, je pense que je vais pouvoir revenir à l'entrée et je vais pouvoir passer peut-être. Oula!
Oh, c'était greedy ça. C'était greedy. Donc là c'est la fin du niveau. On va aller voir par là s'il n'y a pas un petit... Oh merde! Ouf! J'ai bien cru que j'allais me faire fumer par... Pas la fin du niveau alors. Moi aussi. Ah, je pexe pas mal ce matin, je suis genre 65 je crois. Ah ouais quand même, d'accord. Et j'ai rip un gros craft. Comment ça rip un gros craft? Il n'y a pas que le fracture mineure à terme, tu peux perdre des affixes et perdre des tirs d'affixes quand ça rate. Ah ouais? Ah, quand le craft il merde, il y a deux trucs qui se produisent alors. Ok. Ah ou alors fracture mineure, c'est le fait de juste le truc soit pété et qu'après les autres fractures, ça a d'autres effets. I'm last, can you help me? Oh, il a pas l'air cool lui. Ah. Fixe dont un T5 et un T4, d'accord. Et là, le fixe est disparu et mon T5 a passé T4 ou T3, d'accord. The book is about bodies and the life. Elle est tourbillonne, la momie. Alors, est-ce qu'on va vraiment tripoter le bouquin qui est au milieu? La réponse est évidemment oui. Hein, je crois que tout le monde. Un altar, and what is this? This happened now, is some kind of dark magic, some... Freedom spell! Explosion burns and the blood of Yaren. A priori, je suis invincible tant que je lis des trucs, donc c'est cool. Is due, but it's still... D'accord, donc là il faut mettre des trucs là-dedans pour après lancer la... J'ai pas compris là. Ah, mais il y avait un truc en bas.
Là, je suis pas bien, j'ai presque plus de torches. Ça sent le... Ah merde, la porte elle est fermée en plus. Ah, je vais mourir là. Ça va vite pour récupérer un peu de trucs. On peut aller par là, sinon... Ça m'a un peu calmé et du coup j'ai passé le reste de la matinée à la clé de mon futur bureau, puis monter la table, j'ai branché, nettoyer, finir par installer l'ordi à ce nouvel plat. Ah bah ouais, c'est cool ça. Percer le mur pour passer en RJ45 dans les pièces d'à côté. Ah c'est cool si tu as commencé à installer ton petit studio pour stream. Face up, la chaîne. Un pilon après-midi, ça marchait bien. D'accord, bon, nickel, nickel. Excellente nouvelle, du coup. Mais j'ai pas trop envie de jouer, du coup, je vais mater le Top Chef de mercredi que j'ai voulu regarder. Même tu regardes Top Chef, hein. Elle était où déjà la clé? Je sais même plus. Hop, ça on récupère ça là. La clé. Y'a où le crime? Mais barrez-vous les... Oh non mais... Ok, donc là, donc on est revenu là, hop, tac tac tac. Ah, du coup, ça fait quoi? Donc lui, il est bloqué parce qu'il y a une porte devant. Lui, il peut faire des trucs. Ouais, hein, quand même. Y a du cerveau là ou pas? Ça m'a le blaou là. Ok, donc là, j'ai récupéré ça. J'ai récupéré ça. Hop, barrez-vous les araignées. N'embêtez pas. Ok, donc là j'ai des os, très bien. Hop, esquive. Tac, tac, tac. Ça, là ça ouvre. Hop. Du coup, est-ce que c'est bon ou pas? Mince.
Ah, je vous avoue que j'espérais que ça soit bon à cet endroit-là. Regardez au début, les deux trois premières saisons, ça fait genre 7 ans que j'avais pas vu un collègue m'engrainer, maintenant je veux voir la fin, d'accord. Ah, c'était plus qu'un la semaine prochaine. Ouais, ça m'a jamais bien passionné. Yes, j'ai eu le temps. Oh! Merde! Oh putain. Non! Mais par... Ah, je suis un peu déçu là. Et quand je l'ai ouvert, t'es là. Ah mais d'accord, c'est juste y a une sorte de timer en fait, très bien. Ah non, mais où tu m'as touché, mais n'importe quoi. Ah non, il m'a pas touché, c'est bon. Donc là, ça marche pas aussi, il manque des trucs. Ouh. Le seul truc chiant, c'est que ça donne faim. Ah, du coup, faut que j'arrive à repasser avec le timer là. Tiens, c'est à prendre, c'est le mobile. Et puis le problème c'est que ça donne faim, en plus ça donne faim avec des trucs qui ont l'air super bons quoi. Bien joué. Oups là, pardon. Ça passe. Y'aurait pas une petite pomme à manger quelque part là? Attends, mais du coup faut que j'aille où là? Ah oui, là j'ai le rouage. Ah oui, donc là faut que je retourne dans la pièce où ça marchait pas tout à l'heure. Ah, et pourtant la pièce où ça marchait pas tout à l'heure, y'a pas besoin de rouage. Quoi? D'où ça a rien fait? Starmac. Mais ça ne touche pas, je suis à côté. Ah mais genre, ça me met des dégâts quoi. Oh, sérieusement.
On peut essayer de repasser par là, mais... Et du coup, faut que je la tape d'où pour pas me prendre des dégâts là. Fait du coup, ça le touche pas. Vas-y, mets ta mère. Ça l'a pas touché là. Ah, là, ça l'a touché, donc ça m'a touché quoi. Ok. Ouais, du coup on va faire ce niveau-là et puis je pense qu'on va être là. Ah, le concept est intéressant, mais... du coup, il manque quoi? Je sais même plus. It won't work. Merde, qu'est-ce qu'il manque? Virgin Bone, check, Virgin Blood, check, Enos, The Magic Ward, Diablo Pistol, les trucs. Thank you for freeing me, young boy. I can sense you're not like the others. I'm only living still down here. Ah. Ok, cool, plein de pognon. Et voilà, un pack. Voilà, donc là on est sur une bonne base, donc voilà. Secret 0, relique 0. Là, le jeu me le dit, t'es un gros tocard. Ouais, c'est... Ah, mais le concept du jeu, moi j'aime bien, enfin je trouve ça sympa parce que si vous voulez, il y a plein de petits puzzles, il y a des trucs, faut fouiller un peu les niveaux, etc. Après, oui, clairement, de toute façon, c'était pas un jeu pour moi, dans le sens où déjà ça se passe dans le noir et ça a vite tendance à me saouler. Et voilà, mais c'est moins de se barrer, c'est ça. Zéro, zéro! Mais le jeu, non, il est pas mauvais quoi. Après. Ça reste, voilà, je pense que ça manquait quand même de pas mal de polish et tout, mais bon, le mec il fait ça tout seul, enfin c'est... honnêtement c'est quand même impressionnant, enfin, je trouve ça quand même balèze parce qu'il est joli, le pixel art il est bien foutu, après ouais les hitbox ils sont un peu pétés quand même clairement, t'as des trucs qui vont pas trop, genre quand on est en train de parler, les monstres continuent à bouger ou les choses comme ça, mais voilà. Donne 26%. Bon, on va faire au moins une petite partie. du coup, il est quoi? Il est 11h-10. Il est 11h-10. Bah, du coup, je pense que je vais passer sur Last Epoch. Je vais continuer un petit peu mon Beastmaster. Hop. Mais franchement, vraiment, c'est...
Le jeu est pas mauvais, hein, loin de là. Hein. Je pense que les gens qui aiment bien les petits puzzles et un peu le côté aventure, on fouille les niveaux et tout, ça fait le taf, hein, clairement. Après, moi, c'est pas mon truc, donc voilà, mais.